au départ, ça part souvent de matériaux. J'essaye de valoriser des matériaux que je trouve intéressants plastiquement et puis beaux, et puis après qui parlent aussi un peu de l'histoire de la région. En fait, je pars souvent de plaques de rouille que je glane dans des usines désaffectées, de vieux plans aussi, parce que je trouve que c'est vraiment un matériau, là j'en ai quelques-uns. C'est vraiment un matériau qui est très beau, chargé d'histoire. Et quand j'étais petite, ben, mes terrains de jeu favoris, c'était les anciens laminoirs, le cambouis, les machines, la rouille, tout ça. Donc je pense que c'est un peu ces deux histoires-là, la mienne perso et celle de la région, qui se marient un peu dans mes tableaux. Et ensuite, j'essaye de donner une ambiance, et c'est là qu'arrivent plus des influences musicales ou poétiques, parce qu'il y a quelques poètes qui m'inspirent beaucoup aussi. Et c'est pour ça aussi qu'à la toute fin de la réalisation de mon tableau, quand j'ai travaillé mes matériaux, que j'ai mis la couleur, j'ai mis la peinture, je termine souvent par une petite citation qui vient soit un fragment de chanson, soit de poème qui, je trouve, colle bien, quoi, hein, pour, un peu pour parfaire l'ambiance, quoi. Il y a toujours des hasards, hein. Des fois le papier il est très fin, alors ça s'effrite et du coup ça fait un nouvel effet plastique. Enfin, en fait, j'ai comme une directrice, mais finalement il y a toujours un accident, il y a toujours un hasard qui fait que j'explore différemment la plasticité des matériaux, de ma peinture. Enfin, voilà, je me laisse un peu aussi guider par les choses. Je ne maîtrise pas tout et c'est vraiment plaisant cette idée-là de découvrir des nouvelles choses à chaque toile. J'ai quand même une palette un petit peu personnelle, quoi. Je suis dans les ocres rouges, ocres jaunes, terre de sienne brûlée, des choses comme ça. Puis après, de plus en plus, je vais vers des bleus un peu canard, pétrole, parce que ça se marie bien. Et puis ça fait partie aussi, je pense, un petit peu de l'univers, des couleurs de l'univers de l'industrie, de l'usine, quoi. Donc, Donc le fond, je le fais en collant des morceaux de plans, comme je vous ai raconté, que je trouve dans des usines désaffectées que je visite. Quand je le colle, le papier se desquame. Alors je vais essayer de faire en sorte que ça me serve de nouvelles techniques, que ça m'amène à nouveaux résultats. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et ensuite, il faut que je choisisse ma rouille. Alors là, ça va peut-être être parti pour celle-là. Mais c'est pas sûr. Mais je veux te revoir encore. Où est-il l'autre bout du monde ? Naturellement, à force de bosser la rouille, j'ai eu envie, et puis aussi c'est avec des rencontres que ça se passe comme ça. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, Jean-Marie Brunière, quelqu'un qui est sculpteur, qui m'a appris à souder. Et du coup, je soude maintenant aussi, je fabrique des objets en soudant. Donc voilà, je suis allée au bout de la rouille, au bout du fer,